Les petits Européens sont-ils trop gros? La lutte contre l'obésité devient une priorité en Europe. Reportage au Portugal où le phénomène devient inquiétant. L'Italie se déchire autour du Pax. Nous suivrons un élu local qui a célébré symboliquement la première union d'un couple homosexuel. Zoom cette semaine sur trois domaines où la coopération européenne donne de très bons résultats. La lutte contre la fraude aux cigarettes entre Pologne et Ukraine, l'énergie solaire en Espagne et la gestion de l'après-guerre au Kosovo. Dans cette émission encore, il y a presque 50 ans naissait la politique agricole commune, ce sera notre rétroviseur. Et puis la grande odyssée, la plus spectaculaire des courses de chiens de traîneau en Europe, c'est dans les Alpes. Bienvenue dans Zoom Europa. Vous vous souvenez du débat sur le Pax en France il y a bientôt 8 ans? Eh bien en Italie, les discussions ont lieu depuis quelques semaines et elles sont encore plus violentes qu'en France. Le projet de loi vient d'être adopté par le gouvernement, il doit encore passer devant le Parlement et l'opposition de droite et l'Église catholique pèsent de tout leur poids pour faire échouer le texte. Silvio Berlusconi parle même d'un mariage de série B. Même si les couples homosexuels ne sont pas les seuls concernés par ce texte, c'est autour d'eux que le débat se cristallise. Et pour forcer le cours des choses, un élu local dans le nord de l'Italie vient de célébrer symboliquement une première union entre homosexuels. Zoom Europa l'a rencontré. Samedi 3 février à Padoue, dans le nord de l'Italie, pétales de rose et caméras. Tommaso et Giorgio exhibent fièrement leur nouveau certificat qui reconnaît enfin leurs liens affectifs. Je suis très content. C'est un grand pas pour moi et je suis très satisfait de l'avoir fait. C'est une grande émotion car ce certificat atteste que nous sommes un couple, une famille dans tous les sens du terme. On a réussi, c'est un grand résultat, un énorme succès et pour moi, cela marque le point de départ pour la reconnaissance de l'égalité des droits de toutes les personnes. Alessandro Zan savoure sa victoire, la première étape de son combat, car ce conseiller municipal se bat pour la reconnaissance des unions libres et pour l'égalité des droits des couples homosexuels. Si l'Italie n'est pas encore prête pour le pacte civil de solidarité, il a réussi, lui, au niveau local, à ouvrir une brèche. C'est un pas gigantesque. La mairie va désormais donner au couple un certificat qui dit « Vous êtes ensemble car vous vous aimez ». C'est très beau. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes, quel que soit leur sexe et qui vivent à Padoue sous le même toit, auront droit à ce certificat. En fait, il n'a aucune valeur juridique, mais sa portée symbolique est déjà vécue comme les prémices du Pax à l'italienne, même pour ses détracteurs. Parmi eux, Domenico Menorello, chef de file de Forza Italia, le parti de Berlusconi dans l'opposition municipale. Aujourd'hui, on parle du premier mariage homosexuel en Italie. C'est difficile d'appeler ça autrement, car il a été enregistré à la mairie. C'est une victoire que je n'aurais jamais souhaitée à Alessandro Zan, mais il a gagné. À 32 ans, Alessandro Zan est devenu un personnage incontournable à Padoue, surtout dans le milieu homosexuel. Ingénieur et conseiller municipal, il est aussi le président régional de l'association Arcigué, qui défend les homosexuels. Dernièrement, il a pris du galon en devenant responsable national de la campagne pour le Pax. Cet après-midi, ses compagnons de route lui ont réservé un accueil chaleureux. Aujourd'hui, mes détracteurs ont probablement pensé « Alessandro Zan nous a bien eu » ou quelque chose dans ce genre. En effet, dans sa lutte pour obtenir l'égalité des droits, la majorité socialiste à laquelle il appartient l'a laissé tomber. Sûrement trop avant-gardiste, pas assez respectueux de l'establishment politique, Alessandro Zan a toujours fait cavalier seul. Dans une bataille, quand on te laisse tomber, tu récoltes la haine, mais aussi la gloire. Ceux de mon parti ont choisi de m'isoler et finalement, ils ont obtenu l'effet inverse, comme un boomerang qui s'est retourné contre eux. Et sa victoire, il la doit à sa personnalité discrète et réservée, qui lui a permis de rallier à sa cause les habitants de Padoue.
Je crois qu'Alessandro est le conseiller municipal le plus aimé. Seul le maire est plus populaire que lui. Vous verrez, si vous allez faire un tour avec lui dans le centre-ville, beaucoup de personnes se retournent sur son passage pour le saluer. Beaucoup croient que c'est un maire adjoint, alors que Zan est un simple conseiller municipal qui n'a aucun pouvoir réel au sein de l'administration. Allez, pour l'homme du Pax, Alessandro Zan, un hip 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 hurra, un grand applaudissement car sans lui, nous ne serions pas là. C'est une victoire pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas des citoyens de catégorie A et de catégorie B. Alessandro est une vraie référence pour nous, parce qu'il peut nous aider à tous les niveaux. Surtout pour ce qui est du grand problème, entre guillemets, que nous avons dans le monde homosexuel, celui de la reconnaissance de nos droits. Maintenant, depuis Padoue, nous allons lutter pour que l'Italie tout entière puisse avoir une loi qui encadre les couples, même les couples homosexuels. En France, près de 8 ans après le vote du Pax, la question maintenant est celle de l'adoption par des couples homosexuels. Parmi les candidats à la présidentielle, Nicolas Sarkozy est opposé. Ségolène Royal et François Bayrou sont pour, sous certaines conditions. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Ce genre de message accompagnera bientôt toutes les publicités alimentaires en France. Le décret doit entrer en vigueur dimanche prochain. Et l'objectif est bien sûr de lutter contre la malbouffe et l'obésité. C'est un fléau qui empoisonne l'Europe presque autant que les États-Unis. Le Parlement européen se saisit de la question. Les premiers à sensibiliser sont bien sûr les enfants. Et c'est même une urgence au Portugal. Vous allez le voir dans ce reportage, l'éducation alimentaire des petits Portugais est une catastrophe. Vitor, 13 ans, 1m68, 124 kilos. C'est la génération obèse du Portugal. Tu as compris que ta corpulence, c'est-à-dire ton rapport taille-poids, est au-dessus de ce qui est sain et normal. Il faut bouger, faire du sport régulièrement, il faut réfléchir à ce que tu manges. Je suis obèse depuis l'âge de 9 ans. Je mange un peu n'importe quand et quand je mange beaucoup. Mais Victor n'est pas vraiment le seul. Dans le Portugal, en pleine croissance économique, près d'un enfant sur trois est obèse. Une augmentation de 42% en 5 ans. Les choses pourraient changer suite au rapport du Parlement européen recommandant des mesures applicables dès l'école. Je considère que l'Union européenne doit inciter tous les gouvernements nationaux à reconnaître officiellement l'obésité comme une maladie. Il est important que la législation soit votée et appliquée dès la petite enfance dans les services de pédiatrie. Parce qu'un enfant obèse sera un adulte obèse. Je ne suis pas le seul dans ma famille. On est tous un petit peu grassouillets. Dans cette famille de pâtissiers, la gourmandise fut longtemps un vilain défaut. Et il suffit d'ouvrir le frigo pour comprendre qu'il reste encore quelques efforts à faire. Le Portugal grossit. En 20 ans de croissance, le pays est passé sans transition de la cuisine paysanne au hamburger frites. Une nourriture bon marché, mais trop riche. Les propositions du Parlement européen pourraient s'attaquer à l'école. Or, voilà ce qui se passe actuellement entre les repas dans chaque école portugaise. Croissant au jambon, tartines, gâteaux, chocolat, soda, c'est l'épidémie du grignotage. Et si les propositions du rapport étaient appliquées, voilà ce qui pourrait changer. Fini les distributeurs et les sandwicheries. Le problème, c'est qu'à la cantine, le midi, les repas sont encore loin de correspondre aux exigences de la diététique. La nourriture n'est pas souvent très saine ici. C'est toujours des pâtes, du riz, des pommes de terre. C'est toujours des repas comme ça. Et quand il y a de la viande, elle est vraiment grasse. Si l'Europe concevait le déjeuner de Victor, voilà à quoi ressemblerait son plateau. Plus de crudités, plus de légumes et aussi plus de fruits.
Je trouve dans ce plateau-là que la nourriture a l'air équilibrée. Cela donne autant d'énergie et de force que l'autre repas avec les spaghettis. Et ça fait moins grossir. Mais très vite, le naturel revient au galop. Mais les spaghettis ont l'air quand même plus appétissants. Curieusement, l'explication, on la trouve dans la bibliothèque. Faute d'argent, c'est le professeur d'anglais qui s'est dévoué pour jeter un œil sur les repas livrés par une entreprise de restauration. Les jeunes ne sont pas habitués à manger de la soupe et de la salade, même chez eux. Et ici, c'est difficile. Alors, une directive européenne peut-elle alléger les habitudes alimentaires et le contenu des assiettes ? J'espère que cette nouvelle loi changera les choses, même si les enfants réagiront mal au début. Des enfants parfois très cruels entre eux. Le rapport européen souhaite empêcher la discrimination des obèses. C'est justement le thème du cours de morale. Victor, quel est ton principal obstacle dans la vie ? L'obésité. Vous avez compris, nous devons accepter les gens comme ils sont et pas en fonction des apparences. Des actions de sensibilisation comme ici et peut-être une législation pour que Victor n'entende plus jamais ça. Le gros, l'obèse, des fois, il m'appelle même la grosse baleine. Qu'est-ce que tu ressens quand on te dit tout ça ? C'est sûr, je suis un peu... Je fais semblant de ne pas entendre, comme si cela me concernait pas, car sinon, ils m'embêtent. Alors je préfère les ignorer. Quand je leur demande si je peux aller jouer avec eux, ils me disent « Non, tu ne joueras pas avec nous, parce que tu es gros. » Pour éliminer les insultes et les kilos, reste le sport. Au Portugal, contrairement à l'Europe du Nord, il est réduit à quelques jeux de ballon et à deux petites heures hebdomadaires. Si l'Europe jouait les entraîneurs, les cours pourraient bien avoir une allure légèrement différente. Si j'avais plus d'activité physique, ce serait mieux. Cela me donnerait le goût et le plaisir de l'effort. Je crois que ça serait bien aussi pour toute l'école. Mais une loi pourra-t-elle réellement changer les comportements alimentaires au Portugal ? Victor, lui, va commencer des cours de fitness le soir et envisage de se faire opérer dans un mois, en attendant que l'Europe l'aide peut-être un jour à alléger son fardeau. Et à propos de kilos en trop, les soldats finlandais, eux aussi, ont des progrès à faire. Selon une étude dans leur pays, ils mangent trop de pâtisseries. Ils ont pris en moyenne 4 kilos en 10 ans. Le 25 mars prochain, nous célébrerons les 50 ans du traité de Rome qui a fondé la communauté européenne, aujourd'hui l'Union européenne. Nous y consacrerons une émission spéciale de Zoom Europa. Bientôt 50 ans que nous sommes ensemble, mais l'Union fait-elle véritablement la force ? Notre dossier de la semaine vous propose trois domaines dans lesquels la réponse est incontestablement oui. Premier exemple, nous vous emmenons aux côtés des agents de l'Office européen de lutte antifraude et des douaniers européens. Entre Pologne et Ukraine, ils partent à la chasse aux cigarettes de contrebande. La gare de Dorohusk, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, quelques minutes avant minuit. Le train de nuit Kiev-Varsovie est à l'arrêt sur le quai 2. Les douaniers polonais lui ont trouvé un nom autrement plus éloquent, le contrebande express. La plupart des voyageurs sont ukrainiens. Ils vivent du trafic de marchandises entre l'Est et l'Ouest, entre l'Europe pauvre et l'Europe riche. La plupart des voyageurs somnolent dans leur compartiment, mais cela n'arrête pas les agents des douanes. Tous les passagers sont priés de descendre pour une fouille systématique du train. Rien de suspect à première vue, tout au plus quelques bouteilles de vodka. Mais les douaniers savent qu'il y a autre chose, des cigarettes ukrainiennes introduites en fraude dans l'Union européenne. Les agents fouillent chaque compartiment, démontent les lampes et sondent les cloisons. Et ils finissent par trouver des centaines de paquets de cigarettes entassés dans les gaines électriques, une cachette très appréciée des contrebandiers.
Certains mois, les douaniers saisissent jusqu'à 100 000 paquets de cigarettes achetés à bas prix en Ukraine. En Europe, les cigarettes sont très chères à cause des taxes importantes dans l'Union européenne. C'est là que se trouvent leurs clients. Les trafiquants gagnent jusqu'à 2 ou 3 zlotys.